Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, petite capsule rapide pour vous raconter par rapport à une anecdote que j'ai vécue donc il y a avant-hier. Donc j'ai changé avec une femme, une jeune femme, et elle me dit subitement, elle me dit oh là là, j'ai envie de chocolat. Et du coup, bah, je lui dis, vous avez envie de chocolat, mais c'est fantastique. c'est fantastique si vous avez envie de chocolat. Et elle me dit, bah oui, mais bon, mon corps, ma silhouette, tout ça, pour les kilos, c'est pas top, quoi. Et bah, je lui dis, mais vous savez que le chocolat, c'est un antidépresseur naturel, c'est bourré de magnésium. Donc, à part si vous mangez du chocolat au lait qui n'est pas très recommandé, parce que bon, c'est pas le meilleur des chocolats, mais si vous mangez du chocolat noir, voilà, c'est très très bien. Et elle me dit, ah bah, de toute façon, moi j'aime pas le chocolat au lait. Le chocolat blanc, elle me dit, beurre. Ben, je dis, de toute façon, le chocolat blanc, c'est pas du chocolat. Elle me dit, bah non, c'est du sucre. Je dis, bah tout à fait. Donc, si vous avez envie de manger du chocolat, eh bien, mangez du chocolat. Et elle me dit, ah bah oui, bah du coup, j'en parlerai avec mon chéri ce soir. Et je lui dis, ben voilà, c'est très bien. En plus, si vous en parlez avec votre chéri et que vous prenez une tablette de chocolat que vous mangez tous les deux, la culpabilité est divisée par deux et c'est fantastique. Et elle me dit, ah bah oui, non mais c'est vrai, vous avez raison. Donc tout ça pour dire quoi? Faites-vous plaisir. Vraiment, faites-vous plaisir. On vit une situation qui est compliquée. Donc, n'en rajoutez pas une couche. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie de manger du chocolat, mangez du chocolat. Si vous avez envie d'aller vous promener, allez vous promener. Si, je sais pas moi, il y a une chanson qui vous rappelle de bons souvenirs, eh bien, écoutez-la, mettez-la à fond, chantez, dansez. Faites-vous plaisir, c'est le moment idéal pour se faire plaisir. Et on peut se faire plaisir avec tout un tas de petites choses, de rien du tout, vraiment. Donc voilà, je me répète, mais on vit une situation qui est déjà assez compliquée. Ne venons pas en rajouter une couche et franchement, ne lésinons pas sur les petits bonheurs, les petits plaisirs du quotidien. C'est indispensable, c'est bon pour notre morale, c'est bon pour notre santé psychique. Voilà, c'est bon pour nous, ça nous fait du bien, ça fait du bien à notre cœur, ça fait du bien à notre tête, ça fait du bien à notre corps. Donc, faisons-nous plaisir. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas, ne lésinez pas là-dessus, c'est hyper important. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse. Donc c'était Marie-Céline Ngobaleng Duport, coach en bonheur. Et je vous dis à très vite pour une toute prochaine vidéo. Tchuss.